Moi, je pense que la violence conjugale, quand on dit comme ça, c'est des fois, là, vous voyez, Bougla, trop aimé femme là, et puis femme là, trop aimé Bougla, et des fois, Bougla qui est jaloux, femme là qui est jaloux. Pour moi, la violence conjugale, c'est quand un homme bat sa femme. Je pense que c'est peut-être la mésentente, le manque de communication, non-savoir-faire, je ne sais pas. Peut-être surtout un manque de communication, je pense. Des fois, par la jalousie aussi, et puis, je ne sais pas, des fois, par manque de respect. Quand des fois c'est monsieur là-bas qui a respecté ces madame là, et ces madame là-bas qui a respecté ces messieurs là, tout ça dedans aussi. Ça peut être par des paroles, qui ne sont pas tellement intéressantes à entendre. Ça peut être aussi d'une manière physique. La violence conjugale se manifeste ben, par des coups, les femmes restent chez elles, les hommes les confinent, on va dire. Le plus souvent, il y a l'infidélité aussi des fois. Il y a quelquefois la jalousie et quelquefois aussi, ça dépend quand la personne a un problème psychique. Et le dialogue, si pas ni dialogue, rien ne peut marcher. Alors là, vous débutez, il y aura du coup, ça des mal qui paraît ça dans même tout ça, mal et un femelle qui a arrêté. Il y a un petit bagaille, vous, mais chaque monde a resté de côté à vous. Ben, c'est plutôt les femmes. Plus les femmes. Pour moi, c'est plus les femmes qui subissent la violence conjugale. Oui, un homme peut être victime de violence conjugale. J'ai entendu cela, mais je ne sais pas si vraiment c'est cela. Mais j'ai entendu qu'il y a des hommes qui subissent aussi la violence conjugale. Oui, un homme peut être victime de violence conjugale, mais c'est plus les femmes. On est dans un monde où c'est vraiment plus les femmes. Mais bon, tout ça, ni des femmes, moins sans femmes, mais ni des femmes qui sont plus agressives que des bougles. Parce que ni des femmes, même si vous ramachez les bougles, vous voyez un femme mangeant, gardez les bougles, vous avez dit, ouais, tu la connais, je la connais. Qui a commencé à faire ce cinéma. Je pense que ça peut toucher n'importe qui. Et tu es là, moi, pas d'accord, dis tout. Parce que ou quoi tu es, l'argent, ou quoi faire 5 ans l'argent, après ça, on sorti. Et ou bien, et lui, maman là, papa là, j'ai peut-être fille, il y a son là, vous comprenez. Moi, pas penser que c'est là où tu es un femme, il y a un machin pays là, ça. Ben, vous devez le dénoncer à la police ou à la gendarmerie, selon les autorités qui sont autour de vous. Ou bien un policier passe là, vous voyez cela, vous dites cela. Quand on ne pense pas qu'en tête, après ça, si il n'y a pas frère, il n'y a pas tonton, il n'y a pas papa, il n'y a pas papa, il n'y a pas. C'est ça. Violence, ça peut être arrêté. Et le problème est qu'arrivé là, tout le monde ne peut pas lever en monde, c'est un peu pitié, pas garder moi comme ça, un peu de balle, vous comprenez? Allez porter plainte. Moi-même, tu as porté plainte maintenant. La police ne prend plus rien au sérieux. Il y a des femmes qui meurent de ça tous les jours, elles portent plainte. Et quand même ça, le lendemain, on entend qu'elles sont mortes parce que la police n'a rien fait. Et pourquoi ouais, ça fait la peine bon, pour une jeune madame là qui meurt là, parce qu'en sans femme, on est une fille aussi. Moi, on est fille. À part, je ne veux pas nous tuer une femme, mais ça raide. On ne peut pas mais à part là où tu es, il y a rien qui marche. Ou tu es, ou quoi, il a joué. Mais, ou pédli, mais quoi, laisser une femme en misère. Pourquoi les sentiments en misère et les sentiments traumatisés pour toute vie à eux, hein. C'est ça qui est arrivé. Hein. Ce qui est à la base de la violence conjugale, c'est la jalousie. Les hommes sont trop jaloux. C'est vraiment ça.